Des soucis techniques. Est-ce que Harmonie, voilà, moi je me mets à la place d'Harmonie, elle est déçue et je comprends. Approchez-vous de nous, Harmonie. On applaudit Harmonie très fort. Alors, je dis Harmonie, mais en fait c'est Marion.
Voilà, le micro, Marion, ils vont réparer. Oui, c'est Marion, c'est ça. Voilà, ils vont réparer. Détendez-vous, tout va bien. C'est interpréter un Gloria au paradis, moi je trouve que c'est pas mal hein, quand même. Oui, c'est très confort, hein. Merci pour l'accueil, c'est absolument paradisiaque, je crois que c'est le mot. Dites-nous, vous avez commencé la fête de la musique en bas à vous, vous étiez où exactement? J'étais à Beaumont avec mes grands élèves adultes de Musique du Monde, donc on a joué pendant une heure et voilà, me voilà ici et peut-être après en ville pour jouer du choro, donc... Ce sera une bonne soirée musicale pour moi. Super. Alors, il y a le violon, mais il y a, on l'a compris à l'instant, en direct live, une carte son. Expliquez-nous un petit peu ces deux mondes classiques, technologiques, qui des fois s'opposent un peu, non? Alors justement, moi, l'idée de mon projet, c'est d'allier un petit peu l'ancien représenté par le violon et la nouveauté, les technologies, la MAO. Apparemment, l'univers m'envoie des signes très clairs. Il faut que j'arrête parce que là, à chaque concert, je les avais prévenus, donc on le prend plutôt bien. C'est bien. Enfin, moi, en tout cas, je suis assez détendue pour le coup. Je vais demander à Sophie, qui réalise techniquement le visuel, de mettre une image là sur ces messieurs en train de travailler parce qu'ils essaient de trouver une solution technique pour faire plaisir à Marion. À la base, vous êtes une violoniste. Oui, oui, tout à fait. Violon classique, tout à fait. Oui, j'ai étudié pendant une dizaine d'années. Et très récemment, grâce à une rencontre, d'ailleurs, la jeune fille est partie, Romane, que j'ai rencontrée, elle m'a fait découvrir la MAO. C'est quoi exactement la MAO ? La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. D'accord. Et donc, vous demandiez pour la carte son tout à l'heure. Oui. C'est une espèce de traducteur. Donc, on envoie un message audio avec le violon, avec un synthé. Et cette boîte va la traduire pour l'ordinateur, pour qu'il comprenne. Ce que ça veut dire. Quoi. Mais alors, quand elle lâche, qu'est-ce qui peut se passer exactement? Quand elle lâche, ça veut dire que le lien est rompu entre les instruments et l'ordinateur. Et donc, il est impossible après d'envoyer du son, par exemple, en live. Voilà. D'accord. Et c'est là qu'il faut improviser ce que vous avez fait tout à l'heure. Tout à fait. C'est quoi votre univers, Marion, qui vous permet justement de nous faire vos compositions? Qu'est-ce que vous aimez bien, vous, dans la vie, qui vous inspire? J'aime l'amour. Déjà, c'est ça qui m'inspire principalement. Et le plus grand amour de ma vie, c'est mon violon. Je crois froisser personne en disant ça, et c'est vrai. Donc j'espère. Il y a de la sensualité avec cet instrument. Oui, oui, c'est une vraie relation d'amour. Il y a tout. Il y a de la sincérité, de la colère parfois, de la frustration. De la rupture aussi. De la rupture. Bon là, il me fait un petit peu la gueule, si je puis me permettre. Excusez-moi pour mon vocabulaire. Mais oui. C'est une grande histoire d'amour et j'espère qu'elle va continuer longtemps. Alors, vous êtes mariée pour le meilleur et pour le pire. C'est quoi le meilleur avec votre violon? Le meilleur, c'est les vibrations qu'il m'envoie directement là, près du cœur. Et ça, ça me fait respirer. J'ai pas de comparaison, ça me fait vraiment respirer. Vous parliez de vos grands élèves. Vous avez des élèves, donc? C'est ça? Oui, je suis professeure de violon. Et j'enseigne aussi à des adultes en ensemble et on découvre les musiques du monde. Et quand vous faites découvrir cet instrument, vous en parlez de quelle manière? Je les préviens que c'est difficile, mais je suis toujours en quête de valorisation de l'élève. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne, et pour moi et pour les autres. Donc c'est ça. Petit bout par petit bout, on y arrive. Il faut continuer. C'est comme dans les histoires d'amour, en fait. Exactement. Exactement. Messieurs, on continue à parler amour sous votre contrôle ou vous nous envoyez la carte son histoire de... Non, oh bah oui, on en était à parler d'amour, donc on va continuer à parler d'amour. Non, non, mais ils nous font parler de carte son. Franchement, c'est pas terrible. C'est quoi la suite pour vous? Pas de la soirée, hein, j'ai bien compris, vous partiez vers un autre concert. Mais les autres concerts qui s'annoncent dans quelques temps, là, c'est quoi exactement? Alors pour le projet Harmonie, j'en ai pas pour l'instant. Je joue dans un autre projet qui s'appelle Résilience, c'est un projet clermontois également, où c'est de la création, de la composition, ça ressemble pas mal à de la musique de film, couplée à du hip-hop, enfin, c'est assez hybride comme genre. Et on a une belle date au Puy-en-Velay, au théâtre, en septembre. Magnifique le Puy-en-Velay et le théâtre superbe. J'ai vu des photos et j'ai hâte d'y être et ça... Ça promet. Il y a un très beau film en ce moment que nous avons fait rejouer, remis à la une de notre site sur Marc Productions, un film où justement, dans le cadre de la collection Vue d'Auvergne, nous avons été filmés avec un drone la ville du Puy-en-Velay. Messieurs, pensez-vous que ce soit possible
Oui, ça va être possible. Alors écoutez, moi là cette fois-ci, je me déplace vers eux et je vais leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait exactement là pour sauver la situation. Ah ben dès que j'arrive, ça marche, vous voyez? Oh ben, si vous voulez, si ça peut aider. Alors, vous avez fait quoi exactement là? Ce que tout bon technicien fait, dès qu'il y a un problème, il débranche la prise et rebranche la prise. Hein. Vous avez déjà eu Free ou SFR au téléphone. Bravo. Alors, ça me permet de vous présenter Rémi Blanc. Et vous avez vu le dos tout à l'heure de son frère Nicolas Blanc. Rémi, voilà. Mais il suffit, hein? Voilà. Non, je ne vais pas le faire. Non, en premier, je ne vais pas le faire. Parce que alors là, on serait mal. Harmonie, vous reprenez votre casque, vous reprenez votre violon. Regardez ce décor somptueux. Nous avons l'église de Roya et nous avons derrière nous la ville de Clermont-Ferrand. Les lumières ne sont pas encore allumées, mais elles vont arriver. Il ne faudrait pas, messieurs, que vous passiez la soirée là, hein, jusqu'à demain, parce que moi, je ne sais plus quoi dire. Et je vous rappelle quand même que nous sommes en vrai direct. Hein, et le direct, pas. Oui, allez-y. Je vous propose quelque chose. On va s'adapter. Je vais vous faire un morceau violon seul. Voilà. Merci beaucoup, Harmonie. Superbe. Voilà. Ça, c'est une artiste. Ça, c'est une interprétation. Alors, il lui câble juste le violon très rapidement. Et nous allons, je pense, avoir le plaisir d'écouter Marion. Voilà. Et là, je vous explique ce qui se passe. C'est Marion qui donne ses recommandations aux techniciens. Voilà, elle a réussi. Bravo, Marion. Allez, à vous. Des années que je n'ai pas joué, alors soyez indulgents. Hein. C'est un de mes morceaux d'amour.